بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سيد الأنبياء وإمام المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين وعلى كل من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله nous sommes reconnaissants envers Allah pour ses immenses bienfaits dont nous bénéficions. Nous attestons qu'il n'y a aucun être qui mérite qu'on compte sur lui ou qu'on s'accroche à lui ou qu'on place sa confiance en lui à part Allah. Nous attestons que notre guide, notre maître et notre avocat, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier des messagers ainsi que le dernier des prophètes. Allah l'a envoyé comme miséricorde à toutes les créatures. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient encore plus et encore plus sur notre guide, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui l'auront suivi dans le droit chemin. Après ceci, nous vous saluons par la salutation. La salutation des gens du paradis qu'Allah a prescrite pour nous dans ce bas monde-là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, la fois passée, nous avons parlé de la force de l'invocation du croyant que nous avons illustré par des exemples contemporains. Et cette force de l'invocation du croyant vient de l'élévation, de la considération exceptionnelle qu'Allah a accordée aux croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à la Kaaba, qui est la maison sacrée d'Allah, que le croyant est plus sacré qu'elle. Le croyant, il est plus sacré que la Kaaba. Aujourd'hui, inshallah, nous allons justement nous attarder sur ce caractère sacré du croyant pour voir comment Allah a protégé la dignité du croyant, son honneur. Nous avons déjà parlé de ce thème-là. Ce que nous allons dire aujourd'hui vient en complément
de ce que nous avons vu dans les séances passées. Pour cela, nous allons rendre visite au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiallahu anhum. Parmi les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un qui s'appelle Ma'iz ibn Malik radiallahu anhu. Ma'iz ibn Malik radiallahu anhu, une fois Shaitan l'a eu, il l'a poussé à commettre la débauche avec une femme. Et quand il a commis ce péché, sa conscience de croyant, sa foi ne l'a pas laissé indifférent. Sa conscience le grondait. Alors il est parti voir Abu Bakr As-Siddiq radiallahu anhu. Il lui a dit: voilà ce que je viens de faire. Dois-je aller raconter cela, me dénoncer auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on m'applique la loi et que je sois purifié de mon péché? Qu'est-ce que Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu a dit? Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu lui a dit: non, il ne faut aller raconter cela à personne. Du moment que tu as regretté ton acte, tu te repens, Allah va te pardonner. Il est parti. Sa conscience ne l'a pas laissé encore. Il a remis en cause la vie de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Il est parti voir Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Il lui a raconté la même chose. Omar ibn Khattab radiallahu anhu lui a donné la même réponse: répands-toi, ne te dénonce pas, Allah t'a couvert. Répands-toi, Allah va te pardonner. Il est parti. Après, sa conscience a continué à le travailler. Il est parti voir un des compagnons qui s'appelle Hazal. Hazal, radiallahu anhu. Il lui a dit: voilà ce qui s'est passé. Et Hazal lui a dit: justement, tu dois aller te dénoncer auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et demander qu'on t'applique la loi. Et il a laissé la vie de ses deux grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a suivi la vie de Hazal et Hazal l'a accompagné chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était assis avec les compagnons. Il est venu à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire: au messager d'Allah, j'ai commis la débauche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné du côté opposé où il est pour faire comme s'il n'a rien entendu et qu'il parlait aux autres. Ma'iz radiallahu anhu s'est déplacé pour venir encore de l'autre côté pour dire au messager d'Allah, j'ai commis la débauche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tourné sa tête vers l'autre côté pour faire comme s'il n'a rien entendu. Il est en train de lui parler: vas-y, c'est pas la peine de venir te dénoncer. Il a essayé une troisième fois. Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé. Il a dit aux compagnons: est-ce que votre frère là, il n'est pas touché ces derniers jours là?
Ils ont dit, en tout cas, d'après ce qu'eux, ils connaissent de lui, il est bien portant. Dans une autre version, il a envoyé dans sa famille pour demander s'il n'est pas touché. On a dit qu'il est bien portant. Après, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce qu'il n'a pas bu quelque chose? On est venu au niveau de sa bouche pour vérifier s'il y a une odeur, il n'a rien pris. Tout cela, le prophète sallam lui trouvait un échappatoire. Parce que s'il se répand, Allah va lui pardonner. Alors le messager a dit, c'est quoi cette débauche? Il dit, c'est que j'ai fait ce qu'un homme doit faire avec sa femme qu'il a épousée, avec une femme que je n'ai pas épousée. Il a bien défini la débauche. Et là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on lui applique la loi. Et on lui a appliqué la loi. Quand le messager d'Allah a su que c'est Hazal radiallahu anhu qui l'a accompagné là, qui lui a donné ce conseil de se venir et de venir se dénoncer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressant à Hazal, avant de lui parler, il a d'abord tapé sa propre cuisse comme ça, jusqu'à deux fois, pour montrer la gravité de la situation. Il a dit à Hazal, لو سترته برداك لكان خيرا لك. لو سترته برداك لكان خيرا لك. Il a dit à Hazal, même si tu l'avais trouvé en train de commettre la débauche, et que tu ne trouvais rien pour le protéger, et que tu enlèves ton habit pour le couvrir, ça serait mieux pour toi que de le dénoncer. Ça serait mieux pour toi. Si tu trouves un musulman en train de commettre la débauche, un péché, et que tu ne pouvais le protéger qu'en le couvrant, et que tu n'as rien d'autre que ton habit, tu mets ton habit pour le couvrir, ton paille, quelque chose que tu portes pour le couvrir, ça serait mieux pour toi que de le pousser à se dénoncer ou de le dénoncer. Ou de le dénoncer. Voici l'enseignement du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Quand on tombe sur un défaut d'un frère ou un acte qu'un frère a commis qui n'est pas ça, on ne doit pas le dénoncer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui doit appliquer la loi d'Allah. Mais regardez comment il a évité. Et il n'a pas voulu qu'il se dénonce. Il aurait dû suivre les conseils de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu et de Omar ibn Khattab. Allah lui allait lui pardonner. C'est comme ça, le croyant, quand on le voit commettre un acte, tout ce qu'on peut faire ou tout ce qu'on doit faire, c'est d'abord lui prier Allah, qu'Allah le guide. Deuxièmement, si on peut lui parler, qu'on lui parle de la manière la plus sage. Un savant était en train de passer avec ses élèves au bord de la mer. Ils ont aperçu dans un bateau des jeunes gens qui jouaient la musique, qui criaient, qui dansaient, qui buvaient. Un des élèves a dit au savant, regardez les gens là, comment ils sont sur les eaux en train de désobéir à Allah de façon affichée. Il a demandé à leur savant, chaque maître, invoque Allah contre eux pour qu'ils soient noyés, qu'ils soient un exemple pour tous ceux qui vont vouloir faire la même chose. Le savant a levé la main, il a dit, oh Allah,
toi qui les as rendus si heureux dans ce bas monde-là au point qu'ils commettent ce péché. Mets le repentir dans leur cœur et pardonne-leur et guide-les pour qu'ils soient heureux le jour de la résurrection. Les élèves ont dit comment? Ils ont dit, mais oui. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun d'entre vous n'aura la foi que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Si c'est toi qui commets ce péché-là, est-ce que tu vas vouloir qu'Allah te détruise sur ce péché-là et que tu sois dans l'enfer le jour de la résurrection? Non. Tu vas souhaiter le pardon d'Allah et la guider d'Allah. Ce que tu aimes pour toi-même, c'est ça que tu dois aimer pour ton frère, pour que tu aies la foi. Si tu n'aimes pas ça pour ton frère, tu n'as pas la foi. Et lorsque tu vois ton frère commettre un acte qui n'est pas bon, ou tu découvres qu'il a un défaut, et que tu pries Allah pour lui, sans qu'il ne le sache, à son insu, qu'est-ce qui va se passer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que dès que tu vas prendre l'intention d'invoquer pour lui, Allah va dépêcher un ange qui va venir se mettre à côté de toi. Parce que Allah sait ce qui se passe dans ton fort intérieur. Lorsque tu vas invoquer, l'ange va dire Amin, Allah agrée. Donc il va s'associer à toi dans cette invocation que tu vas faire pour ton frère. Et lorsque tu vas finir d'invoquer, l'ange va se mettre lui aussi maintenant à son tour à invoquer pour toi ce que tu as invoqué pour ton frère. L'ange va s'associer à toi dans cette invocation parce que tu es en train de commettre un acte qu'Allah aime. Mais lorsque tu vas venir raconter ce qui est devenu, ce qui est fréquent à nos jours. On demande à quelqu'un, est-ce que tu connais un tel? Ah oui, oui, je le connais. Et qu'est-ce qu'il donne comme des références? C'est celui-là qui fait ceci, cela, et tout ce qu'il dit là, c'est négatif. Il ne raconte que des choses négatives comme référence pour montrer qu'il le connaît, subhanallah. Et en racontant ses défauts ou ses péchés ou ses méfaits, on est en train de le décharger des péchés de ces défauts-là. Parce que le péché qu'on va prendre va compenser ce défaut-là et même peut-être lui donner encore d'autres récompenses supplémentaires. Subhanallah. Et là, les anges vont écrire le péché de la médisance. L'islam interdit qu'on dévoile les mauvais actes des musulmans. C'est pourquoi dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ya ma'ashar man amantum bilisanihi »« Ya ma'ashar man amana bilisanihi »« Wa lam yadkhul l'imana fi qalbihi » لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فمن يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته. Oh vous qui avez cru par vos langues alors que la foi n'est pas entrée dans vos cœurs, votre foi se trouve seulement sur vos langues. Ne médisez pas des musulmans. Et ne cherchez pas à découvrir leurs défauts. Tu vas voir des gens, il faut qu'ils sachent. Un tel là, je le vois faire telle chose, c'est suspect. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il cache aux gens? Et on va tout faire pour essayer de savoir cela. Qui t'a demandé?
L'islam a interdit ça. Qui t'a demandé? Qui t'a demandé? Ça, c'est le propre des hypocrites. C'est pourquoi elle a dit, ceux qui ont cru par leur langue, mais la foi n'est pas entrée dans leur cœur, donc ce sont les hypocrites. Ce sont eux qui font cela, qui cherchent à découvrir les défauts des musulmans. لا تتبعوا عورة لا تتبعوا عورات المسلمين على عورة لا عورة للمسلمين leur partie intime leur intimité ceux qu'ils cachent la même manière qu'on cache l'intimité ça qu'on cache les défauts non donc ne cherchez pas à découvrir cela ne méritez pas de celui qui cherche à découvrir les défauts des musulmans lui aussi Allah va se mettre à découvrir, à faire découvrir ses défauts et celui qu'Allah suit pour ses défauts Allah va le faire découvrir aux yeux des gens même s'il se met dans sa propre maison ou au fond de sa chambre pour commettre les péchés Allah va le dénoncer aux gens man satara musliman satarahu Allah yawma fi dunya wal akhirah celui qui couvre un croyant Allah va le couvrir dans ce bas monde et dans l'au-delà et regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque Maïz a insisté et vous voyez comment il a parlé à Hazal radiyallahu anhu qui l'a poussé à faire cela il lui a montré que ce qu'il a fait est mauvais il aurait dû le couvrir et lui demander lui aussi de se couvrir et lui demander de se couvrir le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé avec qui il a commis cette débauche parce que nous savons que c'est un péché qui se fait à deux le prophète lui a demandé mais c'est avec quelle femme elle aussi pour qu'on lui applique la loi non lui qui est venu se dénoncer c'est à lui qu'on a appliqué Il ne peut pas chercher à savoir ce qui. C'est la même chose pour la femme là, qui est venue elle aussi trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour dire au messager d'Allah, je porte une grossesse et cette grossesse là, elle vient de la débauche. La grossesse que je porte vient de la débauche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tourné sa tête lui aussi. Elle a insisté. Le messager d'Allah lui a pas demandé avec qui, il a dit bon. Tu portes un enfant dans ton ventre, on ne peut pas t'appliquer la loi. Va! Il faut que tu l'accouches. Va! La femme est partie. Il n'a pas demandé qu'on la suive pour la garder, pour la surveiller. Il ne faut pas qu'elle s'enfuit. Non, elle peut s'enfuir. Si elle se répand, Allah va lui pardonner. La femme est partie. Après 9 mois, elle a accouché l'enfant. Elle est venue avec l'enfant. Oh, subhanallah. Je l'ai accouché. On peut m'appliquer la loi. Le prophète lui a dit, mais va aller allaiter l'enfant. Qui va s'occuper de lui? Il lui donne toujours l'occasion de s'en aller, de se repentir pour qu'Allah lui pardonne. Elle est partie, elle a allaité l'enfant. Quand l'enfant a commencé à manger, à marcher, elle est venue avec l'enfant, elle le tirait dans sa main. Elle a dit, le voici. Maintenant, il est devenu autonome. On peut m'appliquer la loi. Comment elle a insisté? Qu'est-ce qu'on peut? Le prophète a demandé qu'on lui applique la loi. Et là aussi, il n'a pas demandé c'est avec qui? Pour que lui aussi on l'applique la loi. C'est entre lui et son Seigneur. S'il se répand, Allah va lui pardonner. C'est ça l'islam. C'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Et nous aujourd'hui, nous ne sommes même pas chargé d'appliquer la loi, mais nous cherchons, nous fuyons les défauts des autres.
Et quand on les découvre, c'est pour aller les publier. Pas même se limiter à en parler, on les publie sur les réseaux sociaux. Subhanallah. Satan nous a eu. Partager. Allah. Partager le péché. Partager le péché. Même ceux qui n'ont pas un défaut, on essaie de le transformer en défaut et on le publie. Subhanallah. Une fois à Damasque, Damas, la capitale, l'actuelle capitale de la Syrie, il y avait un imam qui prêchait. C'est un grand savant. C'est lui qui dirige la prière. Il fait la khutbah du vendredi. Il prêchait, il enseignait l'islam aux gens. Les gens profitaient de lui. Cet imam-là, une fois, il a rêvé et il a vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui me voit en rêve, c'est moi qui l'a vu parce que Shaitan ne peut pas prendre ma forme et se présenter à lui. Or, cet imam, il connaît bien le portrait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il l'a vu, il a su que c'est lui de par son portrait. Ah, il ne suffit pas qu'on dise que j'ai vu le prophète. Est-ce qu'on connaît le portrait pour comparer ce qu'on a vu en rêve avec le portrait du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lui, il a fait, il a su que c'est le messager d'Allah. Et quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, qu'est-ce que le prophète lui a dit? Il lui a dit, je te commissionne de dire à ton voisin un tel qu'il fait partie de mes voisins au paradis. Il demande à l'imam de dire à un de ses voisins que le messager sallallahu alayhi wa sallam a nommé dans le rêve, de lui dire qu'il est un voisin du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis. Or, ce voisin-là, c'est un musulman, mais un musulman ordinaire. On ne le voit pas faire des choses particulières. Il n'enseigne pas, il ne prêche pas. C'est pas un grand savant, tout ça là. C'est un musulman ordinaire. L'imam était étonné. Pourquoi? Le lendemain, il est parti le voir. Il a dit, voici ce que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve et voici ce qu'il a dit. Mais je te demande au nom d'Allah de me dire, qu'est-ce que tu fais de particulier ou qu'est-ce que tu as fait de particulier pour mériter cela? Parce qu'il savait que ce n'est pas pour rien. Alors le voisin a réfléchi. Il a dit, je me souviens seulement d'une seule chose. Peut-être que c'est à cause de cela que le messager d'Allah a dit cela, a t'a donné cette information. Il dit, c'était quoi? Il a dit, il a épousé une fille. On a fait la sémoune, on a tout fait, on lui a amené la fille à la maison. Mais quand la fille... on l'a amenée chez lui, il a trouvé qu'elle était en grossesse, qu'elle portait une grossesse, qu'elle a cachée bien sûr. Et au cinquième mois de leur mariage, la grossesse a fait 9 mois. Donc elle est venue avec une grossesse de combien de mois? 4 mois. 4 mois de grossesse. Si c'est nous, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? On a mis la jeune mariée, on a découvert qu'elle porte 4 mois de grossesse. On va la chasser, on va la dénoncer. Hein? Et demander qu'on nous rembourse, ou bien? Hein? Et on va se mettre à la critiquer et à raconter à tout le monde.
On va même la traiter d'hypocrite. Ainsi de suite. Mais il a dit, lui, il n'a rien fait. Même ses parents, il ne les a pas informés. Même les parents de la fille. Il l'a laissé. Lorsqu'elle a accouché après les 5 mois de mariage, elle a accouché l'enfant une nuit. Il a dit à l'aube, il a pris l'enfant, il l'a placé dans un petit panier. Il a mis son manteau, il a mis l'enfant dans son manteau pour le couvrir. À l'heure de la prière de l'aube, il a laissé jusqu'à ce que les gens soient entrés, l'imam a entendu dire sauf vous, pour venir. Et il a bien regardé, il n'y avait personne au dehors. Il a déposé l'enfant derrière la porte de la mosquée. Et il est entré dans la prière. Lorsqu'ils ont fini de prier, l'enfant a commencé à crier. Cri d'un bébé à la porte de la mosquée, les gens sont sortis. C'est un nouveau-né. C'est un nouveau-né. Venez voir. Les gens se sont attroupés pour regarder. Mamaki. La surprise. Et on a dit certainement, c'est une fille qui a fait ça. Elle a déposé l'enfant. Et l'homme a laissé, quand les gens se sont attroupés, lui il était assis dans la mosquée. Quand les gens se sont attroupés, les gens parlaient, il entendait les commentaires, il est sorti. Qu'est-ce qui se passe? Un tel voit, regardez. Notre monde là, il est foutu. Regardez, un enfant innocent qu'on a déposé. Il a dit, bon, l'enfant là, il faut qu'on le sauve. Moi, je veux le prendre. Et je veux le garder chez moi. On ne va pas le laisser comme ça. Ah, mashallah, c'est bien. Tu as sauvé l'enfant. La sagesse. Et il a ramené l'enfant à sa mère. Hein? Il a ramené l'enfant à sa mère par cette sagesse-là. Et pour les gens, donc la femme-là, l'enfant-là qu'elle gardait, c'est un enfant qu'on a sauvé. Mais l'enfant, la femme savait que c'est son fils et lui aussi savait que c'est le fils de la femme, mais il n'a dit à personne. Man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Lorsque vous couvrez un musulman, Allah va vous couvrir dans le monde et dans l'au-delà. C'est avec ce hadith qu'il a travaillé. Et c'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il sera son voisin dans le paradis. Et là, les savants ont dit que al-ihsan, la bonté, elle est mieux que al-adl, que la justice. La bonté, elle est mieux que la justice. Allah dit inna Allah ya'murukum bil 'adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fasha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun aw tatadhakkar la'allakum tadhakkarun. Allah ya'murukum bil 'adl, il vous ordonne la justice. Vous devez être juste. Wal ihsan, mais en haut de la justice, la bonté. La justice pour cet homme-là consistait à quoi? À réclamer son droit. À déclarer la fille ou la jeune mariée. Ce n'est pas son enfant. Et la justice voudrait à ce que la fille retourne chez ses parents, qu'on lui rembourse. Et qu'il aille chercher une fille sérieuse. Mais la bonté voudrait qu'il couvre la fille. Il l'a couverte.
Et cette femme-là qu'il a couverte de cette manière-là, par cette bonté-là, vous pensez que cette femme-là va lui tenir tête, lui dire non, pour faire quelque chose? Elle aura honte de le faire. Parce qu'elle sait que ce n'est pas n'importe qui peut faire cela. Par la bonté, on peut soumettre les gens à la loi d'Allah. Au lieu de réclamer son droit, il a préféré être bon envers elle pour avoir la bonté d'Allah. Irhamu man fil ard, irhamukum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre. Comme ça, celui qui est dans les cieux ou dans le ciel vous fera miséricorde. C'est ce qu'il a fait à la femme. C'est ce qu'il a fait à la femme. C'est ça l'esprit de l'islam. Il faut qu'on le comprenne. Cette bonté-là est mieux pour lui parce qu'il ne pouvait pas congédier la jeune mariée-là sans raconter l'histoire aux gens. Ah oui. Et là, ça devient de la médisance. Ça devient de la médisance. C'est entre elle et Allah, il l'a couvert. Elle s'est repentie, Allah accepte son repentir. Allah accepte son repentir. Mais regardez ce criminel qui a tué 100 vies innocentes. Il a tué une personne, deux personnes, trois personnes, jusqu'à 100 personnes. De façon injuste. Quand il s'est repenti, il n'a même pas commencé à adorer Allah. Lorsqu'il est mort en chemin. Et pour lui faire miséricorde, et le placer parmi les gens du paradis. Vous savez ce qu'Allah a fait? Allah a changé les dimensions de la terre. La géométrie de la terre, là, Allah l'a changé à deux endroits. Il a demandé à la terre qui le séparait de la région où il a commis ses péchés qu'il quittait, de s'éloigner, de s'étirer. Donc pour pousser encore son corps loin d'elle. Loin de cette terre, de cette région-là. Et il a demandé à la terre, qui est du côté de la région où il va pour adorer Allah, de se rapprocher de lui, pour rapprocher son corps de lui. On a mesuré, il est plus proche de cette ville-là, ou de cette région-là, et on l'a placé parmi les gens du paradis. Regardez ce qu'Allah a fait. Pour pardonner un pécheur, qui a commis quel péché? 100 vies innocentes, il a tué. C'est pourquoi Allah ne veut pas qu'on s'interpose entre lui et ses créatures. Il ne veut pas qu'on s'interpose entre lui et ses créatures. Parce qu'il est miséricordieux. Il veut qu'on soit miséricordieux envers les créatures d'Allah. Si nous savons ce que la personne a fait de mal, c'est entre elle et Allah. Prions pour la personne. Et si nous devons exhorter la personne, exhortons-la de la meilleure manière. C'est ce que l'islam nous raconte. Pas chercher les vies des gens ou pas chercher des petits défauts, des petits trucs. Un imam qui lit un verset, il saute d'autres, il va encore plus bas, il continue la lecture, ça devient un problème. Il a commis un grand péché qu'on doit publier. Et on dit non, c'est l'imam-là, il doit même retourner à l'école coranique. Et ce sont des musulmans qui font cela. Eh oui, ce sont des musulmans. Et on publie ça. Parce qu'il a sauté des versets. L'erreur est humaine. Ah.
Si c'était un péché même qu'il a commis, qu'on a vu, qu'on a su, ça serait pire encore. Subhanallah. Il faut qu'on sache ce que nous sommes en train de faire. Et nos langues-là, kuf alayka hadha. Le prophète a dit à son compagnon, au compagnon, tiens cela, garde cela. Il a tenu la langue, garde-la. Il ne faut pas la laisser libre, dire du n'importe quoi, parce qu'elle va t'amener où? En enfer. Si tu veux être sauvé, il faut que tu saches retenir ta langue. C'est pourquoi on dit qu'il faut remuer. Combien de fois sa langue avant de parler? Dans la bouche. Hein? C'est trois fois qu'on dit, non? Attends. Mille fois, c'est mieux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir fal yakul khayran awul yasmut » Tout celui qui croit réellement en Allah et au jour dernier, qu'il ne dise pas de n'importe quoi, qu'il vérifie ce qu'il dit, qu'il dise du bien, et s'il voit que ce n'est pas du bien, qu'il se taise, c'est mieux pour lui. Qu'il se taise. Le croyant n'a pas la langue déliée. Et aujourd'hui, quand vous voyez, quand on s'assoit, on parle en groupe, on va amener, on va ouvrir la page de quelqu'un. Et chacun va essayer de le décharger de ses péchés. Ah oui, chacun va faire de son mieux pour lui prendre ses péchés et lui donner des bonnes œuvres. C'est ce que ça veut dire. Ou bien vous allez voir, quand on voit quelqu'un, on apprécie quelqu'un. Tout le monde est en train de l'apprécier. Hey, vous ne le connaissez pas. Celui qui fait ceci, qui fait cela. Et on commence à le ternir aux yeux des gens. Subhanallah. Non, on doit encourager les gens à dire du bien. On doit dire du bien les uns sur les autres. Les savants ont dit qu'Allah nous a donné deux yeux. Que l'un des yeux, c'est pour voir nos propres défauts. Et nous, au lieu de voir nos défauts, nous ne voyons que nos qualités ou bien nos supposées qualités. Le deuxième œil qu'Allah nous a donné, c'est pour voir les qualités des autres, pas leurs défauts. Mais nous, c'est le contraire. Il y a des gens qui veulent même coûte que coûte, il faut salir, il faut montrer que tout le monde est mauvais. Il faut ternir l'autre, il faut l'humilier. Si Allah élève quelqu'un là, si Allah place l'amour de quelqu'un dans les cœurs des gens, personne ne peut à lever ça. Tu vas le ternir, tu vas essayer de parler mal de lui, mais il va toujours rester comme il est dans le cœur des gens. C'est peine perdue. Pourquoi parler des défauts des autres? Même si on a découvert leurs défauts, il faut se taire. C'est un piège. C'est une fitna. C'est une fitna. C'est une épreuve. Et lorsqu'on va se mettre à en parler, on a échoué dans l'épreuve. On a échoué. Mais lorsqu'on arrive à tenir sa bouche, à invoquer Allah pour lui, on a gagné. On a bien passé l'épreuve. C'est ça l'admission. Donc regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons. Avec ses compagnons. Quelqu'un qui vient lui aussi de notre prophète fait comme s'il n'a pas entendu pour lui montrer que ce n'est pas ça. Et justement, Allah n'aime pas que
qu'il vous couvre, que vous-même vous veniez afficher encore vos défauts, en parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah pardonne à tout le monde, sauf al-mujahirin. C'est ce que les mujahirin, ceux qui font le péché, Allah les couvre et ils viennent dire, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Et là, si c'est par fierté, là, c'est grave. C'est-à-dire que la personne ne se rend même pas compte qu'elle a commis un acte qui est mauvais, elle en est même fière. Là, cette personne-là ne peut pas espérer le pardon d'Allah. Mais celle qui sait qu'elle a commis un mauvais acte, qui a des remords et qui se répand, Allah lui pardonne. Allah lui pardonne. C'est ça l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Couvrons-nous les uns les autres. Le musulman doit être une sutra, une couverture pour son frère. Il doit être une couverture pour son frère. Hein? Il ne doit pas être le vent qui vient à lever la couverture qui est sur son frère. Non. Le musulman doit être un drap pour son frère. Il doit se couvrir. Il doit couvrir son frère. Il doit couvrir sa sœur. Il ne doit pas être la tempête qui vient arracher le paille qui couvre son frère ou sa sœur pour le dénuder. Ça, ce n'est pas le travail du musulman. C'est le travail des hypocrites. C'est le travail des hypocrites. Et lorsqu'on va se mettre même à parler des défauts des autres, nous sommes parfaits. Kulukum khata'un, le prophète l'a dit, vous faites tous le péché. Vous commettez tous des fautes. L'autre là, il est comme toi. Dis-toi qu'il est comme toi. Ah, moi, je ne fais pas ceci. Donc tu te vois, comment dirais-je, au-dessus de cela. Toi, Allah peut te prouver, tu vas faire pire que ça. Allah n'aime pas celui qui s'enorgueillit. Il veut celui qui se rabaisse, qui s'humilie devant Allah. C'est ce qu'Allah veut. Donc il faut qu'on soit des couvertures les uns pour les autres. C'est ce que l'islam nous recommande. C'est ça la fraternité. Et cette fraternité, elle conditionne la foi. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Vous n'entrerez jamais au paradis jusqu'à ce que vous ayez la foi, et vous n'aurez jamais la foi tant que vous ne vous aimez pas. Tant que vous ne vous aimez pas. Aujourd'hui, nous sommes devenus des doubles faces. Quand on voit le frère, on se montre gentil. Mais il suffit qu'il tourne dos, on se met à le hacher. Subhanallah. Le travail des hypocrites. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous éloigne de cela. Et qu'Allah nous guide davantage. Rabbana la tu'akhizna inna sina ou akhta'na. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا قريب يا سميع يا مجيب الدعوات نسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى وخاصة باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدار كلماتك اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اللهم ارحمنا وارحم امتنا رحمه عامه اللهم ارحمنا وارحم امتنا رحمه عامه اللهم ارحمنا وارحم امتنا رحمه عامه سبحان ربنا رب العزه عما يصفون والصلاه والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين